Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le fauteuil de randonnée ultralight de Jamais. Gros intérêt de ce fauteuil, il ne fait que à peine 1 kg, il est très compact. Donc on peut l'utiliser pour de la rando vélo par exemple, parce qu'on va pouvoir le mettre sur un porte-bagages ou dans des sacoches. Il se monte également très facilement, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc petit, compact, c'est confortable. Moi je trouve que on est bien assis dedans, sachant qu'il existe une version beaucoup plus grande que je vais vous montrer, mais qui n'est pas pour le même usage. Donc c'est le même, il s'appelle fauteuil ultralight dossier haut, donc vous voyez qu'il est beaucoup plus haut, plus confortable effectivement du fait du dossier. Par contre, c'est pas tout à fait le même encombrement, deux fois plus lourd et presque deux fois plus encombrant. Donc ça plutôt pour un usage van, camping-car, celui-ci par contre très bien pour un usage en itinérance légère type randonnée à vélo. Alors côté montage, donc le siège se constitue d'une partie métal et d'une partie tissu. À noter qu'il est fourni avec des embases larges, donc si le sol est dur vous ne les mettez pas, mais si le sol est mou, plutôt que de vous enfoncer, ce qui peut être très désagréable, vous avez ces embases qui sont quand même bien larges et qui vous permettent d'avoir une très bonne assise. Donc ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de fauteuils qui proposent ça dans des versions ultra légères comme ça. Alors ensuite on a une partie métal qui est en alu, mais c'est de l'alu costaud. Alors le déploiement est très rapide et facile. Donc on a les pieds, ça se monte quasiment tout seul. Donc là, mon assise, enfin ma structure est posée. Il me reste à poser la partie tissu. Donc c'est des petits manchons qu'il suffit d'enclencher. Donc c'est tout simple. Hop. Hop. En général, moi je le retourne comme ça me permet d'appuyer dessus parce que là, du coup, on le met sous tension. Tac. Et voilà. Et je trouve que c'est confortable, on est bien assis, c'est stable. Voilà, donc vous retrouvez les deux modèles, celui-ci, donc usage plutôt rando-vélo, éventuellement aussi en van, et l'autre plus confortable, mais plus lourd et plus encombrant. Donc les deux modèles sur rayonrando.com.